Alors Lame, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir que tu aies accepté d'être marraine de cette deuxième édition du Zik Me Up Tour. Pourquoi tu as souhaité t'impliquer à ce point à un événement musical d'abord du web, mais qui fréquente aussi les artistes en live dans les régions à la rencontre des talents? Bah déjà pour commencer, c'était pour mon ami Patrice Marlon qui m'a écrit quand même mes deux plus grands aussi tubes, Les Enfants de l'an 2000 et Jamais loin de toi. Et c'est un ami, il m'a demandé, ça m'a fait plaisir. Je suis allée voir un petit peu ce qui se passait. Et puis pour moi, c'est important aussi de défendre les artistes de scène, pas seulement ceux qui... Si je vous emmerde, vous me dites, hein. Un peu de rigolade. C'est important de défendre aussi les artistes qui sont vraiment sur scène. Qui... Voilà, par exemple, un groupe de métal, on voit jamais de métal à la télé, quoi. Et moi, je trouve que c'est bien de défendre un groupe de métal français. Voilà, c'est important pour moi d'être là ce soir, de défendre des artistes qui ont envie de faire des choses, de faire bouger les choses, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui. Merci beaucoup, Lame. Et en parlant de Merci. Patrice Marlon, et à bientôt. On va l'accueillir tout de suite dans le sur scène de Patrice Marlon, l'un des cofondateurs zikmeup.com. Oui, ben moi je suis très fier. On a fait, c'est vrai, on a fait de belles choses, et puis c'est pas fini, on va en faire d'autres. Voilà, je suis très fier que tu sois là, et puis, je sais pas, tu passes une bonne après-midi, une bonne soirée. Superbe. Et truc sympa, bon bah voilà. Et moi je voudrais qu'on rende un petit hommage à Patrice Marlon, parce que quand on parle de passion ce soir, c'est un vrai passionné. C'est un artiste, c'est un auteur, un compositeur, ça fait des années qu'il se bat pour la musique, et monter Zik Me Up, chercher des partenaires, donner la possibilité à des jeunes talents de faire du live, c'est quelque chose d'exceptionnel. On s'est aperçu tout à l'heure qu'on se connaissait depuis 92. Ouais, c'est vrai. Ça fait un moment. Ouais, mais donc, dis pas trop notre âge quand même. Hein. Non, mais est-ce que tu veux regarder un truc? Quoi? Est-ce que tu veux regarder quelque chose? Un petit truc, quoi. Bah, je sais pas. Non. Vas-y, non. Regardez. Non, je veux pas regarder. Regarde quelque chose. Non. C'est quoi? C'est l'invité mystère, Jean-Pierre Foucault. Voilà, c'est exactement ça. C'est ça, il est là? Il est venu? Si, ça marche. Hein. 92, ça c'est une année que je connais un petit peu, quelques souvenirs. C'est grand chose, pas non. Bon, je vais peut-être y aller. Ah non, tu vas voir. Non, je peux pas y aller. Oh là là. Et donc sur les images, à droite, vous voyez Marlon. C'était son nom, Patrice Marlon, le cofondateur. Top 50 pendant des mois. Faut arrêter ça. Non. Bon, on arrête le massacre, c'est gentil. Non. C'est gentil. On n'est pas là pour ça. Hein. Bon, t'es bien. J'aime bien les surprises comme ça. Avec les deux cofondateurs, il y a bien sûr Alexandre Hetzmann et Patrice Marlon, l'autre cofondateur que vous pouvez applaudir. Voilà, pourtant on n'a pas été au top 50 celle-là, hein, cette année.